Hey! En voiture, on râle tous dès qu'on tombe derrière un tracteur. Avec cela, il n'y a aucun risque. Alors fais tes lacets et chauffe tes lombaires, c'est parti! Le tractocross a vu le jour dans les années 80 et aujourd'hui, une vingtaine d'équipages s'affrontent sur le championnat de France. Les manches durent 15 minutes avec un changement de pilote obligatoire et c'est 4 manches qui ont lieu durant tout le week-end. Le meilleur au cumul des 4 manches remporte l'épreuve. En bout de ligne droite, les tracteurs sont capables d'atteindre les 100 km/h et pour pimenter le tout, les départs se font triplement. Bien sûr, c'est très spectaculaire, mais ça, je te laisse le découvrir. Et toi, c'est quoi ton sport? Ciao!